everybody, and welcome to Sicilier. Yes, chérie. Ok. Je dis, n'a pas de gens baisser ton Sicilier show. Raison qui fait ça, c'est de ce que, dans un moment, ça, nous un moment de tristesse, nous un moment que nous perdons un gros monde dans HMI. Là. Si vous avez 3 bass players dans HMI, là, Joshua est un là-dedans. Un gros artiste dans la communauté qui a des années, decades, depuis la bas nous belle musique, belle bagaille. Mais moi-même personnellement, moi t'ai gagné une relation personnelle avec Joshua. So c'est ça que fait dans Joshua, n'a prendi moment pour nous honorer et pour nous dire merci. Ok Sissi, comment on fait quand Joshua c'est un petit monde que y est? Joshua c'est un monde que moi t'ai rencontré lès que moi t'ai gagné peut-être 19 ans. À l'âge de 19 ans, moi t'ai qu'on fait backup singer pour band qui était qu'on a HMI là. Et c'est comme ça un jour que moi allé dans studio hein, pour nous record et puis je chantais peut-être ouais voix tu ca on voit que tu ca utiliser dans projet. Et c'est comme ça il prend contact moi, nous fait un pile backup singer ensemble. Un pile là dans une travail et many others. Et c'est comme ça, un jour, Joshua dit, Nancy, moi, mon projet que je veux travailler sur lui, parce que moi, je vois qu'il fait le bien. Et nous, tu es fait un remix ou bien un update de un petit chanteur qui est Denis. Il y a un pile dans nous qui connaît, mais moi-même, je ne connais pas. De c'est après que Livin joue, elle me dit, ah, chanter ça, je content de lui, les moments qu'on a joué, ou bien. Et puis il dit bien t'arrêtes mon faire remix ça. Et c'est comme ça nous faire remix là. Moi chante il. Et puis un jour m'a conduit dans machine moi, on croit que m'ta pas le fond Aaron et puis moi turn on radio moi et puis moi t'entendais musique là à jouer dans radio. Et c'est première fois que moi t'entendais voix dans radio à chanter en musique. Et c'est là ça je chante fait m'apprendre que moi t'es une star et moi toujours qu'a fait des grandes choses dans la communauté haïtienne utiliser voix. So m'a prend moment ça pour moi dire Joshua merci. Merci en pile. Est-ce que tu crois en moi même gens ou tu crois en pile monde ou pas de dit non ou pas de jamais qu'a dit personne non. Kounya là nous pour passer dans casse champette. Pour nous tendez Robert Charlot avec Freddy Topvice qui a dit deux mots de Joshua. La première c'est tout quand il déplace Majesté qui vient honneur à Dieu, qui vient montrer Dieu, qui vient montrer nous à Dieu Charlatan. Non seulement c'est un super musicien, mais c'est donc un sérieux son qui est très sage, il va jamais Dieu fâché. Je suis un qui toujours a essayé, mais ça va gagner. Il a ignoré tête lui pour les dons de l'autre monde. Et on s'est dit de Dieu, où aller, de l'arriver là, dans un hôtel là, et puis on va manger là. Et vous dites, Dieu, mon bel gars, vous voulez la croiser. Et puis, je vous confie pour nous, on va manger. C'est qu'on a eu Dieu qui a pris un pistache. Un pistache pour nous, on va dans la valise, par le bas. Donc, nous passons tout à l'heure jusqu'à ce que Topvice rase en 2004. Malfait New Vice, je sais que le premier musicien qui vient me dire moi-même, je ne vais pas prendre des moi là, j'étais fait beaucoup de confiance. Donc, nous passons tout le temps ensemble. Et même là, nous campions New Vice, je vais aller faire dans l'autre aventure internationale. Donc, une modestie jamais vue, une humilité qui n'a pas existé dans le livre, qui n'a pas de signification dans le dictionnaire. Donc, Dieu, je ne vais pas parler de moi parce que je vais vous dire tout le monde. Et c'était que je vais prier que le grand maître de l'univers
capable d'accueillir Monsieur avec deux bras dans les béatitudes célestes. Et il faut me dire que après musique ça, c'est que notre musicien, c'est pour bailler, peut-être c'est pour tout musicien pour bailler. Et si crème, il faut vivre un petit bail pour Dieu. C'est pour chaque musicien un petit bail pour Dieu. La mère est sans mon frère pour les deux. Now we are back. Vous faites entendre de belles paroles, belles mots que Freddy avec Robert t'a parlé de Joe. Ok, nous connais. Joe commençait à jouer depuis le petit. C'est pas un bagage que lui commençait avant. Depuis le petit monde, dans vidéo, interview que lui fait, lui toujours parler de ça. C'était un cousin ou bien un frère, il t'a joué basse, il t'a joué guitare et puis chita l'a suivre et c'est comme ça que lui t'a apprendre pour lui jouer basse. So ça c'est décade que n'a parlé en pile étude, en pile jouer même avec petit monde ou bien l'arrivé grand monde, il toujours kembe même marche là. Il y a un bagage que moi t'ai très remé dans Joe Charles. Et m'te kon suivre ça dans li en pile. Joe Charles c'est pas tout monde qui te remet dit mon non. Mon kon dans studio hein et puis ça mande Joe Charles en baga. Oui, pas de problème, nous ka faire ça. Ça mande en baga, pas de problème, nous ka faire ça. Li pas jamais kon dit non. Et dans toute baga que la fait, li prend ça très très bien. Même là que li te kon nan board là. Parce que m'apprendre que c'est un ingénieur de son que l'été et tout. So, même là que, you know, l'été studio, hein, wap record, l'inan board l'an, l'ap suivre. C'est un baka que monsieur était très fier de ça que l'ta fait, hein. C'est pas, l'y pas de bail ça, tant qu'on baka est vague vague. N'importe musique que l'été, hein. N'importe monde que t'es en depuis que ou entré dans studio, hein, l'été presque make sure. Que là qu'on sorti ou satisfait avec projet hein. Nous te wè ça dans tout genre. Même là que li te nan éclair, même là que li te kon jouer avec Léon Dimanche, même là que li entré dans Top Vice. Dans tout pa projet que l'a fait, li mette tout sang la donne, tout moment la donne, tout a fait la donne et li te fier de travail que li t'a fait hein. Et chez Mylan nous pas apprécier moun kon sa facile. Jou on moun ta kou Joe Charles, c'est un moun que nous ta supposé porter sous tête nous. En pile artiste nan moment qui a grand moun nan men nous qui l'a longtemps. Nous ta supposé plus apprécier mouvement que yo fait, au travail, énergie que yo mette. Parce que imaginez que ou son moun ou fait pour l'amour que ou gagne pour musique. Ou faire pour l'amour que gagne pour moun pour faire que moun content et compare douce. Ah oui, compare douce et il fait nous danser en pile. En jouer li kembe keyboard, li kembe basse lan.
avec un mec comme ça l'a joué. Nous t'es très amusé nous à regarder l'a joué comme ça. So, on nous prend une pause et puis nous prend le temps de en dedans qu'à sa champette côté Farajus pour le bal de moto de Joshua. Nous même artistes haïtiens, nous n'avons pas de chance, car de tout le talent que nous avons. Je vous dis là à côté, que les descendre ici, sur New York dans les années 81-82, donc va être accompagné de T-Charlot. Et là, ça, c'était T-Charlot. Avec l'homme qui était joué tout à l'heure. Martino, nous t'ai commencé ensemble. Ok. Alors, nous t'ai commencé à Monsieur Sayo, qui a chanté. Et fait que Bénin te sorti pour eux. Il n'y a pas qu'on carrière artistique pour eux. Mais les ministres, plus tard, ils viennent ajouter Joe Charles dans le groupe. Joe Charles, nous t'ai une chance pour notre travail. Bon, on ne veut parler de monde qui a mouru, si belle bagaille de yon. Et ma chambre. Même un petit Joe Charles, on est qui a mon humilité la caille. Mais pour humilité la caille. C'est pour compréhension, c'est pour aimabilité la caille. Pour sagesse. Si menti, tu menti. Allez, il est à soi à l'aller. Nous tous sommes dans la salle d'attente, là nous sommes dans la salle d'attente. Ni devant, nous derrière. Mais nous avons regretté en pile. Mais la musique haïtienne, non, Falcon, continue à faire chemin. Nous avons en pile, légende. Nous avons Tico Pasquet, qui est une des plus grands batteurs que nous connaissons. À côté de Dano Pasquet. Alors, pas prêté là longtemps, pour l'homme, pour t'en gagner une belle forme à côté. Freddy, quand on fait là, bien parmi moi, m'a remercié et félicité Timère. Si Timère, c'est un millionnaire, tout artiste haïtien l'a privé. Parce qu'il t'a fait toute sa vie capable de lui. Est-ce que c'est pas vrai? Ouais, Timère. Malheureusement, nous n'avons pas de pouvoir d'achat. Nous avons débuté à chanter dans New York avec à côté. Nous avons chanté We are the world. Oui, même avec Freddy, dans le Caleb Center. Nous avons même dans James and Lance Center. Caleb Center. Ah ben là, à soya, nous comptons. Nous avons tout le monde qui vient honorer Joe Charles. Nous disons encore merci à tout organisateur, spécialement à Timère, que nous tendons de parler de Barala toute la journée. Tout musicien ça y est là, saluez-nous. Jusqu'à terre, nous sacrés être un musicien ici. Connais ça n'a pas passé. Je connais qui talent nous gagnons. Et je connais côté nous arrivé et côté nous y ça nous sentit, on nous sentit tout. Moi, c'est Farajus qui comprend nous. Alors, merci en pile. À ce moment, je suis content. Oui. Nous bien frappé, monsieur. Joe Charles, content côté de lui. Je ne vais pas prêter longtemps, non? Nous connaissons, nous ne pouvons pas faire des artistes vivants, des artistes semaines. Là, on va le micro, là. Je vais mettre le micro tout de suite. Mais ma petite merci encore à Timère. Timère son nègre. Je ne vais pas parler de lui à soi, ça va nécessaire. Mais si Timère est un millionnaire, je dis à vous, on a sonné 5 belles à vous. Oui, même pour la vie. En pile l'autre encore. Alors. Assoya, m'a dit nous toutes là, félicitations et merci parce que nous devons supporter Joe Charles, l'immérité. Joe Charles, nous devons nous derrière.
On a demandé bon Dieu pour nous recevoir pour nous. Et pour continuer à faire belles bagailles, quel que soit le poteau passé. Merci. Je suis content de faire des déplacements. Mes amis, Kembela, pas la guerre artiste. Merci, frère. Dans mon gros applaudissement, vous frère, qui fait mes amis. Reine Solène. Et Jocelyne Doris P. Nous comptons présence là. Et après vous, Mano, on a besoin de vous dire que vous êtes intéressés avec vous là. Merci. Everybody, and welcome to Cecilie. Listen, guys, na fè yon ti interrupt parce que nan moment sa, gen yon moun ke mwen gen yon bon ti tan ke m'ap cherche, c'est Philippe bien-aimé. Et n'ap gade sa ke di gen pou li di nou jodi, hein? Nou kwaze avè li an dedan headquarters lan, na fon ti bat bouche avè l pou nou wè sa ke li gen pou li di nou de kampay sa ka fèt nan 2022 sa. Hello, everybody, and welcome to Cecilie. Now, listen, guys, this is a special edition. We are here with the man himself, Philippe Bien-Aimé, our current mayor for North Miami, but now he is actually running for commissioner in District 2. So we're going to go ahead and ask him a couple of questions just to know exactly where he stands as the upcoming new commissioner on District 2. So hi, Philip, and thank you for having me. And thank you for inviting me to your show. And I'm so pleased, so happy to be with you. Good. Thank you so much. Now, we know you as a mayor already, and we know you have done some great work here in North Miami. Now, my question to you is, what do we expect? What should we expect as a new commissioner on District 2? You know, I've been in the city of North Miami for over 9 years as council member, then mayor of the beautiful city of North Miami. We have been working, moving the city forward, and for the past 3 years, over 14 quality development are coming to the city of North Miami. That's gonna change the city forever. We add $1.4 billion to the city's economy, meaning what? Between $8 and $10 million gonna be added to the city's bank account. That's mean more tax revenue for the city, meaning we're gonna have more money to address the need of the people and bring more service to the community. That's been the same thing that I've been doing for the past 9 years in the city of North Miami. That's the same thing that I wanna continue to do in District 2 of Miami-Dade County. And first of all, and infrastructure improvements, improve our infrastructure to bring sewer lines to every single resident and businesses in the city, and address public safety and bring economic opportunity so we can create job, good paid job for the residents of District 2 and of Miami-Dade County. That's mean it's three major things that I wanna do. I wanna bring infrastructure improvements, economic opportunity, and address public safety, and so we can move the district forward and make District 2 a place to live, work, and play. Awesome. Because we know that all of those things that you've addressed are highly important for the city. Now, how can they vote? Where do they vote? And how can they go out? What is the vote number for you? You know, my punch number, or they can bubble 107 to elect Philippe Bien-Aimé as the next county commissioner for District 2. And I encourage all the residents living in the city of North Miami, North Miami Beach, Opa-locka,
the unincorporated deed of Biscayne Garden, Oak Grove Park, around Miami-Dade College, the Northwest area, and Alapata, a part of the district is in Alapata. I encourage everybody to look at the registration card, and if they see County Commission District 2, that means they can vote for me. And 107 to elect Philippe Bien-Aimé as the next County Commissioner for District 2. Well, there you have it, guys. It doesn't get any simpler than that. Go to your polls, go to your location, and punch 107 Philippe Bien-Aimé. Now, listen, my last question for you. Is there a vacation after this? Because I know you've worked so hard. You're talking about vacation when I leave? Once all of this is over, is there a little quick vacation? No, my last day in the city of North Miami is November 22nd, 2022. That will be my last day as mayor of the city, and that will be my first day as the next county commissioner. So there's no vacation. I'm sure I'm gonna swear in that day in downtown as the next county commissioner, but I encourage everyone to go out and vote for Philippe Bien-Aimé. The bubble number, it's 107 for me to be the next county commissioner. Awesome. There you have it. So straight from Mayor Philippe Bien-Aimé to Commissioner Philippe Bien-Aimé, go and do your job. Like, you're important. Go and do it. 107 Philippe Bien-Aimé. And thank you guys for taking this pause with me. And stay tuned. We'll be back with our show. Okay, so s'attendre tout ça Philippe Bien-Aimé vle di nou de campagne 2022. Ok, so ça que vous pouvez faire, vous pouvez voter. Vous tendez, c'est 107 Alpentier, 107 Philippe Bien-Aimé dans le district 2. Ok, so kounya la, n'a pas retourné dans la programmation nou comme il faut. Hello, 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 and welcome to Cécilie Chérie. Yes, listen guys, do you like the show? Est-ce que remè show? Well, si que remè show, ou ka supporte nou la en dedans show. Si que besoin advertisement ou bien promo, ou mettre le nou nan numéro ki en bas la. Na make sure que nou bien take care business ou la en dedans Cécilie. Thank you everybody. Bye. Are you looking to buy a car? Looking to sell your car? Or need cash fast? Call Patrick at 786-306-1030 or come into Lucky Pond Jewelry and Cars, located at 10207 Northwest 7th Avenue in Miami. With Patrick at Lucky Pond Jewelry and Cars, you will feel lucky with finding your next car, truck, SUV, and luxury cars all at the best and lowest price. Come on in and get you the cash you need, hassle-free. Call 786-306-1030 or 305-758-0111. If you're in the neighborhood, stop by 10207 Northwest 7th Avenue, Miami. Ask for Patrick and come feel lucky. Okay, now we are back with what I would say is a sentimental closing for me. Parce que un bagay que m'ap suive depuis m'te tout petit, c'est comment HMI là a géré des artistes, moun kap antre sorti. Un problème que nous toujours jouen, c'est d'est-ce que nous jouen moun qui pas apprécié HMI là assez, artistio. C'est pas là que yo mouri pour nous avoir une belle show comme ça, pour nous honorer, pour nous dire merci. C'est pas là que nous pas capable voyer face à face encore pour nous faire belle bagaille ça yo. Non. C'est pendant que yo là. C'est pendant que y a vivre là. Gayen pile artiste dans moment qu'a fait des grandes choses. On nous honorer yo jodi pour tes fleurs yo jodi. C'est pas là que yo mouri. C'est pas là que yon bagay passé yo. OK? So pas seulement tant là que yo en batter. Pour nous on dit bravo. Mais prends temps nous.
prend moment ça que y a vivre là pour nous dire merci. Nous besoin plus monde comme ça pour y venir faire musique. Nous besoin plus artistes camper pour y faire belles choses. Mais c'est pour nous bailler au support là. Sur social media, sur YouTube, n'importe plateforme que yo y a supporter yo. Al nan jazz lan, al gade yo, bay yo support lan, chodi lan. Se fle sa pou nou bay. Ok? So, encore, Joshal, thank you for everything. Personally, for me, thank you. Et m'pense ke tout moun ki te la nan kasa champet, avant ye swa lan, pe dir merci yo tou. Ok? Au revoir tout moun. Passe yon bonne soirée. Good night.